L'analyse de l'information, tendance. Lundi 10 novembre 2014, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement, nous ensemble pour Week Tendance. Première édition nous pour semaine ça, j'espère que vous passé un très bon week-end. Déjà, bonne semaine d'information sous Télésignal, particulièrement à Week Tendance. Aujourd'hui, on a démarré ce maintenant avec un sujet qui est assez intéressant, puisque la Cour internationale des droits de l'homme condamne la République dominicaine puisque estimée avec arrêt 168-13, la République dominicaine violait droit monde qui a vivre la Kaili. Collectif 4 décembre, bat bravo la contentement pour décision ça. Nous pouvons regarder à qui est-ce que gagne de croix pour bat bravo puisque arrêt ça que la Cour constitutionnelle dominicaine te prend estimé que pas de aucune instance qui t'a fait le fait back sous lui. Après président, Jean-Aubert Agan s'est invité nous pouvons causer avec lui. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. D'IRI numéro 1. Diri numéro 2. Diri numéro 3. Diri 10 sous 10 plus. Sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratins d'être ça. Nous tournons après président, rubrique tendance en détail. Si vous faites bien chez nous, invitez-nous, c'est Monsieur Jean-Aubert Agan du collectif du 4 décembre. Monsieur Agan, bonsoir, c'est avec un pile plaisir de vous recevoir dans l'émission tendance. Bonsoir Tamara, merci de ce que vous invité à participer à l'émission aujourd'hui. Salut téléspectateurs Télésignal FM. Mm-hmm. C'est un plaisir pour partager tout ça avec vous là. Je dis pour les gens qui affectent un nom collectif 4 décembre, qui s'est le cas retenu rapidement. Bon, 4 décembre, le collectif du 4 décembre, au fait, c'est un regroupement de citoyens qui mettent tout ensemble pour que nous baillons pays nous une chance dans ce sens que nous visionnons, c'est relever la population haïtienne, tant au niveau social qu'au niveau politique, qu'au niveau économique, qu'au niveau culturel, qu'au niveau juridique. Parce que c'est ça que nous avons comme vision. Donc, il y a plusieurs, enfin, il y a de toute tendance, de tout gabarit qui fait partie du collectif-là. Mm-hmm. Et on est né, nous formons le 4 décembre et notre première sortie publique a été le 17 décembre 2013, justement, 3 mois après arrêt infâme 168-13, Cour constitutionnelle dominicaine. Mm-hmm. Mais. Moun qui la donne, personnalité qui compose le collectif là, ou dit de tout gabarit, en permettre que les populations comprennent tout le monde. Et syndicats, oui, avocats, ou bien médecins, ou bien journalistes, tout le monde. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas un parti politique. C'est un regroupement citoyen et nous mettons ensemble pour que nous fassions des voix, nous, parce que nous voulons ou que nous parlons, nous avons toujours
entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, ça a décidé et ça n'a pas accepté la décision. Mm-hmm. On est toujours au milieu. Donc, il nous faut pouvoir nous exprimer. Il faut qu'une fois qu'on est qui ça vraiment nous voulait. Vous connaissez que nous pas gagné vraiment culture de dialogue, ça. Donc, il s'agit pour nous d'être une plateforme d'expression, une plateforme de parole où on retrouve tous les citoyens. Même moi-même, mm-hmm. c'est ce qui a fait partie, ou tu as dû faire partie de collectif là, parce que nous là pour défendre intérêt citoyen. Intérêt citoyen, mais nous regardons, de formation nous, aujourd'hui, est-ce que nous faisons des actions concrètes qui gagnent des répercussions que le monde est capable de garder en dans la population, M. Argan? Il y a deux bagages que nous faisons. D'abord, quand on a pris notre première bataille, qui a été la bataille contre ce verdict de la Cour constitutionnelle dominicaine. Mm-hmm. Et arrête ces ordres, tu traites ça. Et nous affronter la bataille. La première fois que nous avons fait, nous avons sorti en décembre pour nous réunir surtout deux entités principales, le citoyen haïtien et le gouvernement haïtien. Le citoyen haïtien, pour nous dire que, il faut que nous fassions, les Dominicains, comprendre que nous, comme citoyens, nous ne sommes pas capables d'accepter des violations de droits humains élémentaires de 200 et quelques milliers de Dominicains mm-hmm. qui d'origine haïtienne. Donc nous étions contre violation. Donc nous avons d'abord fait sortir une note et appelé d'abord au boycott comme réaction, mm-hmm. au boycott des produits dominicains. Et nous avons demandé aussi au gouvernement d'accompagner dans ce sens que nous avons souhaité que d'abord nous mettions certains contrôles au niveau des postes douaniers, bref, donner l'encadrement qu'il faut pour que vraiment nous-mêmes nous capables, ouais, qui jeunes capables alimenter. Et autre côté, boycott là, nous disons boycott là parce que ceci, d'un côté, c'était un signal direct et ça revenait à la République dominicaine comme un boomerang. Mm-hmm. Nous, c'est leur plus grand client. Mm-hmm. C'est nous importer toute bagaille de you. Si nous-mêmes, parce que nous avons dit importateurs, suspendent, mais importateurs qu'on y a. Et ta main, je dois le dire, c'est qu'on est parti de pays où on avait des entrepreneurs, des entreprises, des industries, et au fur et à mesure, une appétaine, jusqu'à ce que nous venions de simples boutiquiers qui ont acheté ou revendu classé 20 com, acheté ou revendu et qui pas ancré. Maintenant, donc, ça, c'est commerce seulement à faire, et il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de développement en ce sens. Donc, maintenant, nous-mêmes, nous avons dit, on bloque. Importation ça de la République dominicaine, deux bagages à faire. Premièrement, on va jouer une alternative là, autre part. Et deuxièmement, et surtout, ça, chaque fois bloqué au produit, chaque fois tout produit que la production de la République dominicaine, en principe, c'est une opportunité d'entreprise. C'est une opportunité pour chaque entrepreneur, parce que nous sommes capables de faire, pour nous faire la caille, et ceci nous donne tous les avantages qu'il faut au niveau de notre pays, puisque à ce moment-là, d'après créer travail, d'après vraiment commencer à retirer nous de l'inféodation, ça, l'inféodation alimentaire que nous avons subi de la République dominicaine, et pour nous aller de l'avant. Mm-hmm. Mais en nous regardant, est-ce que l'appel au boycott, ça, selon vous-même, était suivi? Bon, il y a eu beaucoup de réponses, et les différentes personnes que nous avons contactées, que nous avons vues, dans le pays du Cocou, eux-mêmes, ils ont décidé d'y faire les produits dominicains, ils n'ont pas la donne. Et au fur et à mesure, chaque fois par le côté, il y a les demandes, est-ce que ça c'est dominicain? C'est dominicain, je ne parle pas de l'île. À tel enseigne que beaucoup de. Ou bien une certaine market, soit là-dedans. Qu'on y a d'ailleurs, on peut voir que il y a une étiquette sous produit, il m'a dit produit local. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Ce n'est pas. On n'avait pas demandé un embargo, on n'aurait pas pu demander un embargo. Mm-hmm. Mais c'est un travail qui se fait et qui, au fur et à mesure, donne des résultats, puisque c'est une question de prise de conscience, c'est une question de réaction citoyenne. C'est ta réaction pour protester contre une injustice aussi criante. Mm-hmm. Et nous pensons qu'il y a certainement, mais très certainement, beaucoup de gens qui ont suivi cet appel. Mm-hmm. Donc ça veut dire, nous sommes capables de dire, bilan, nous satisfaits. Nous satisfaits dans le sens que ça n'a pas été, c'est pour ne pas prêcher dans le désert. On n'a pas atteint
cette masse critique que nous aurions aimé atteindre. Pourquoi? Parce que situation réelle que nous avons vu là sont l'autre bagaille. Parce que tu es dans un pays rendu totalement misérable, qui vit de la misère, qui gère la misère chaque jour et qui pague l'autre alternative. On a délaissé la terre, on délaisse tout, on est venu simplement des importateurs, donc nous venons dépendre totalement de la République dominicaine. Mm-hmm. Donc, c'est un bagage qu'on a créé, c'est un message que nous lançons, c'est une formation, c'est une sensibilisation que nous faisons. Parce que ça qui veut, c'est que, sous le jeune qu'on y a, longtemps, nous avons la CAENU à l'école, ce qu'on avait appelé l'instruction civique. Mm-hmm. Ça n'existe plus. Non, il y a tout encore qu'on y a dans le curriculum. C'était très bien, parce que je me parlais avec. Je rencontre le ministre de l'Éducation nationale, la NESPI, ça fait 3 semaines. D'abdil, ça même pas connu, tu es rentré déjà dans le cursus là. Nous parlons proposer, nous allons regarder avec vous la décision que la Cour interaméricaine des droits de l'homme prend et nous-mêmes dans le collectif là, nous comptons pour lui. Nous allons regarder l'avis collectif là, puisque nous sortons en note dehors pour nous-mêmes féliciter la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais c'est après pause là. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrice. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Petite rubrique tendance, invité nous aujourd'hui, c'est M. Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre. Avec lui, nous avons gardé la décision ça, que la Cour interaméricaine des droits de l'homme prend. Nous-mêmes, nous connaissons la nouvelle là, rapidement, qui s'est passé dans la tête nous. Bon, satisfaction, complètement. Oui, satisfaction en ce sens que pour nous, ça a été quand même une victoire, pas personnelle, mais pour nous, victimes. C'est pour nous que surtout nous sommes contents que. Mesure, ça a été pris parce que vraiment, menace qui était sous tête, c'était terrible. Mm-hmm. Et c'est surtout pour eux que nous étions contents. Mais d'un autre côté aussi, nous dit que l'effort que nous avons mis là-dedans, ça que nous essayons de faire pour que l'IVA est devenu payant. Mm-hmm. Parce que ça a été fait. Là, nous avons pris mesure, nous avons demandé boycott. Parallèlement aussi, nous avons allé, nous avons alloué, nous avons joint la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui je défais, nous t'ai secondé en saisine que le centre d'analyse et de recherche en droits humains est présenté par devant la commission. Mm-hmm. Donc nous t'ai secondé saisine ça, comme au parc à guet deux saisines pour la même cause, nous t'ai secondé saisine ça. Donc finalement, ça a été pour nous, nous avons participé à une bataille qui n'était pas simplement la nôtre. Mm-hmm. Et ça a été une bataille menée de partout. D'organismes étrangers, d'États étrangers, de plusieurs pays. Ça qui marque nous plus, ça, par exemple, c'est une qui était prenant des mesures, une position claire, c'était la CARICOM, qui était rejetée de revers de main la candidature de la République dominicaine qui voulait intégrer la CARICOM. On a dit que le cas de violation, il n'est pas capable de faire. Donc, il y a des premières mesures. Donc, parce que tout le monde, ça, c'est content,
que la Cour interaméricaine ait condamné la République dominicaine pour violation de droit et que demandé que je suspende effet AREA et que pas mettez AREA en pratique. Donc pour nous, ça a été, on était très contents et nous avons d'abord fait sortir une note pour exprimer ça. Et la même note là, nous avons dit tout, que nous demandons automatiquement au gouvernement nous, pour organiser les, pour les supporter, production nationale, nous, pour les supporter commerçants, enfin entreprises commerciales, nous, entreprises de construction, nous, entreprises industrielles que nous avons, pour nous permettre nous vraiment commencer à développer le pays. Nous. Et nous-mêmes, nous demandons que, maintenant plus que jamais, il faut nous toujours essayer de privilégier les produits locaux. Donc, c'était deux barrières principales. Et troisième barrière que nous avons dit en fin de notre communauté, enfin, sortie hier ou avant-hier encore, nous avons dit que, parce que nous avons fait de réunion mix bilatéral. Nous allons lever là avec vous parce que décision à rester sont très très pas jamais discuter dans cadre réunion ça. Exactement. Et c'est ça peut-être ça nous dit qu'il y a il faut que demander l'État pour réorienter débat en ayant comme boussole vraiment ce problème d'apatridie potentielle. Parce que pour nous c'est important que l'État redresse bague diplomatique là parce que au départ lors du problème de fait paraître l'État haïtien avait pris une très bonne position, elle avait été une position au niveau diplomatique qui t'a muté l'autre pays etc et il y avait une qui avait créé une très forte position dans la République dominicaine et puis par je ne sais quel stratagème finalement notre pays a changé de cap et a laissé tomber cette bataille au niveau diplomatique pour entrer dans un dédale de réunion de commission binationale. Et l'effet que ça a donné, c'est que ceci a dilué la pression qui était sur la République dominicaine. Automatiquement, que dilue la pression sur la République dominicaine, tout le pays qui était appuyé, tout le monde était utilisé pour un bac, puisque le Dominicain dit où l'a retenu avec le gouvernement haïtien. Le gouvernement haïtien dit où ce dialogue-là, que les bails préférences. Donc finalement, la situation est pourrie et heureusement que la Cour interaméricaine est intervenue et a rendu un verdict lorsqu'il fait constat de violation du droit. Ça. Est-ce que nous pas douter en dépit de décision ça que CIDH prend, que la Cour constitutionnelle dominicaine pas retourner sous décision? C'est ne pas craindre ça, qu'il n'y a pas retourné. Dernièrement, enfin, ce qu'on a compris, c'est qu'il était rejeté compétence. Pour là, le verdict, le jugement, ça. Bon, ces droits, ils sont souverains. Ils ont des droits. Puisqu'on n'est pas capable, il n'y a pas, la Cour interaméricaine, le droit de l'homme, n'a pas une force coercitive. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'obliger au fait, mais au libre. Cependant, vous avez signé des traités, vous avez signé des accords, vous avez signé des conventions. Et l'on fait retrait ça, comme ça, quand vous censez dire qu'on fait la retire de ces IDH-là, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que maintenant, ça met à risque quoi? Ça met à risque l'État dominicain lui-même. Comment? Parce que, automatiquement qu'on fait ça, ça prend le niveau, c'est qu'on n'a pas considéré la République dominicaine comme un État paria, un État voyou. C'est-à-dire un État côté que la publicité qui sera faite tout autour de bagages, ça, c'est que son pays qui n'a pas respecté les droits, il n'a pas respecté les traités, il n'a pas respecté les conventions. Donc, son pays, côté que vraiment, le tourisme a tombé, côté le tourisme aura un coût sévère que la pral obligé prend. Donc, d'un point d'État qui voulait, qui t'a remé, que prendre comme État paria, maintenant, au niveau économique aussi, retomber du fait qu'il y aurait certainement une chute dans le volume du tourisme qui est ou entrée de devises extraordinaire en République dominicaine, mais aussi l'accès au financement international pour prendre l'autre coup. Donc ça, parce que le pape cap jouer l'argent aussi facilement pour jouer bien, il n'est pas obligé à aller peut-être sur le marché, non, le marché parallèle, avec des taux qui seraient très, très difficiles. Donc il n'a pas intérêt. La République dominicaine n'a pas intérêt à faire le jeu d'enfant gâté.
En tout cas, mais fais un appel au boycott des produits dominicains. D'où je dis, un grand pile qui a peut-être compris ça mal, puisque nous, c'est vrai, même si nous ne mangeons pas, nous avons décidé de ne pas manger, mais nous avons des gens qui ont étudié la caillou, nous avons des gens chaque jour qui ont traversé à Joigno. Comment collectif là, lui-même, capable de sensibiliser les gens, pas boire ici, pour sensibiliser l'État à tout, puisque il y a des conditions qui gagnent en République dominicaine que nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner. C'est exact. C'est pour ça nous dit que nous avons, et c'est peut-être ça nous fait appel à l'État. Parce que nous avons un devoir de maison à faire. Mm-hmm. Nous ne sommes pas capables vraiment pas travailler sur ça pour faire. Parce que si nous avons l'intention, ils veulent l'autre bois, c'est parce que nous-mêmes n'avons pas fait travailler dans la caille. Si nous avons jambé là, c'est parce que nous n'avons pas d'opportunité. Si vous avez dit Tamara, prenez n'importe qui jeune. Nous avons la République dominicaine. Non, mais prenez n'importe qui jeune, Kounia Tamara. Mandel, qui ça t'a aimé fait? Qui ça t'a aimé? Ou grand malade, ou j'aime bien les jeunes, ou visa pour quitter le pays. Pourquoi? Parce que nous ne retrouvons rien dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'habitude de travailler. Pourquoi? Parce que nous avons perdu nos entreprises. Et c'est ça que nous voulons reprendre. Nous voulons faire Haïtiens comprendre que les gros pays qui sont pays pâles, les gros nations que nous voulons pour créer, il faut là-dedans. N'importe quel pays qui va nous faire nation pour vous. N'importe quel pays qui va faire pays pour vous. C'est où pour mettre tête ensemble. Donc, c'est ce message que nous lançons. Et nous disons, jeunes, pas pour le décourager. Oui, nous avons un passage, mais c'est nous qui avons changé. C'est nous pour changer. Parce qu'il faut croire que le pays, ce n'est pas nous qui lié, c'est nous seuls qui avons changé. Et c'est peut-être ça que nous disons, les jeunes qui ont commencé à faire, un peu la production nationale, un peu consommer local, un bail entreprise pas nous, préférence sur toute l'autre. Quand nous avons un bail, un café, un parallèle, un café, regardez au niveau de la construction, Tamara. C'est Petionville, nous là. Vous êtes passé là, vous qui ça ouais. Comment vous comprenez que vous avez une compagnie dominicaine qui a fait trop trois là, Petionville. Comme si nous n'avions pas d'ingénieurs, comme si nous n'avions pas de compagnie. Ce n'est pas normal. Donc ce sont des choses à réviser. C'est ça que nous demandons. Nous demandons, bail entreprise locale, nous, chance, bail, c'est vous pour faire travail là. Merci bien, M. Agan, parce que vous avez une invitation. Nous, bon travail, on espère parler une autre fois. Merci, Tamara. Merci de l'invitation. On va vous disposer pour nous tous. Voilà. Invitez-nous aujourd'hui, c'était M. Jean-Robert Agan avec nous. Nous avons brassé l'idée sous question République dominicaine. CIDH, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, prend une décision pour condamner la République dominicaine pour violation des droits humains à cause arrêt 168-13. Est-ce que la République dominicaine a respecté elle? Est-ce que nous-mêmes, tout pas bon ici, nous avons mis des devoirs nous propres qui s'est créé des conditions pour permettre que Haïtiens restent la caillou, suspendent à la pré-humiliation qu'ils voisins, c'est nous qui pouvons définir. Et c'est un choix qui peut faire dans la question. Ça. Merci à pile pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.